Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy. Aujourd'hui, comme le titre l'aura indiqué, on va faire le top des lectures 2017. On va commencer de suite par celui que je n'ai pas en format papier. C'est Le Bourbon Kid, le tome 3 et le tome 2, donc L'Œil de la Lune et Le Cimetière du Diable. C'est un thriller fantastique, elle est géniale, il y a tout, de l'action, de l'humour, du fantastique. C'est vraiment un régal et suivre le kid, je suis fan. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de continuer, j'espère bien reprendre mon retard dans l'année 2018, c'est une saga que j'affectionne tout particulièrement. Ensuite, on va passer dans un contemporain avec Les Fiancés du Rhin de Marie-Bernadette Dupuis. C'est vraiment une belle découverte, je ne connaissais pas cet auteur, j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais très envie de la lire, mais je n'avais jamais sauté le pas. Les Fiancés du Rhin, ça se lit tout seul, on commence quelques années avant, dans les années 30, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite ça se poursuit pendant le conflit. C'est vraiment une lecture que j'ai adorée, il y a de la romance, il se passe pas mal de choses. Notre héroïne, enfin nos héroïnes, parce qu'elles sont deux, une mère et une fille, ne sont pas épargnées. J'ai beaucoup aimé. De toute façon, souvent, sous le thème de la Seconde Guerre mondiale, c'est souvent des lectures fortes, des lectures que j'apprécie énormément. Et celle-là, ça n'a pas dérogé à la règle. J'ai vraiment adoré. Et je suis ravie d'avoir découvert cet auteur avec ce roman-là. Je ne manquerai pas de lire d'autres de ses romans dans l'avenir. J'aime beaucoup. Et celui-là est vraiment fantastique. Donc je lui avais mis un 18 sur 20. Ensuite, je ne pouvais pas faire un top sans qu'elle soit dedans. J'ai lu 3 de ses romans en 2017, les 3 ont été super. Je vous parle de mon auteur favorite, c'est Jojo Moyes. Ici, c'est avec Sous le même toit. J'ai également lu Après toi, début d'année, en janvier 2017. J'avais adoré. Donc, j'ai lu celui-là, que j'ai vraiment aimé aussi. C'est sur un drame familial et sur la reconstruction de ses personnages, l'amitié, l'amour, la famille. C'est les thèmes qu'aborde souvent Jojo Moyes. D'une belle façon, on sourit, on a un peu les larmes, on a l'émotion qui est au fil des pages, et j'aime beaucoup. Et le troisième que j'ai lu, c'est Les yeux de Sophie, que j'ai beaucoup aimé, qui est pareil, sous fond de guerre, mais un mélange entre De nos jours et sous fond de guerre. Et il était impossible de faire un top de l'année 2017 sans vous parler de Jojo Moyes. Celui-là, je lui avais mis 17 ou 18 sur 20. Pareil, que j'ai lu en début d'année 2017, et je ne pouvais pas passer à côté, c'est vraiment une trilogie fantastique. C'est Le Paris des Merveilles, ici c'est le tome 3, de Pierre Pével. Oh, c'est génial. C'est un univers de féerie magnifique dans le Paris féerique. Deux personnages principaux, Griffon et Aurélia, je suis fan d'eux, j'adore vraiment. J'étais un peu triste de quitter cet univers et ces personnages parce que j'aime beaucoup et je pense qu'il pourrait y avoir d'autres aventures derrière. Pierre Pével nous a fait une superbe histoire, trois histoires sympas, ça se lit facilement, c'est un univers fantasy assez simple à suivre avec un peu de romance, un peu d'action, des couvertures. Sublime, travail sublime. Donc celui-là, je lui avais mis 18 sur 20, il est vraiment top. Un qui m'a marqué, et j'ai lu deux romans de cet auteur en 2017, et une auteure qui est rentrée dans mon top auteur, c'est Nadia Hashimi avec Si la lune éclaire nos pas, qui m'a fait verser les larmes. C'est un contemporain magnifique sur une famille afghane qui quitte le pays, et donc cette famille-là quitte son pays parce qu'il y a la guerre, et veut, dans un périple, atteindre l'Angleterre. Donc c'est un périple émouvant, c'est un périple dur, c'est vraiment une belle histoire, magnifique, une belle famille, et ça m'a mis les larmes. C'est vraiment très émouvant, et en 2018, je vais me lire La Perle et la Coquille, qui traîne dans ma pile à lire depuis trop longtemps. Celui-là, je l'ai mis en 19 sur 20. Une auteure chouchou, pareil, c'était inconcevable en l'ayant lu dans l'année 2017, de ne pas la mettre dans mon top, et je vous parle de Angélique Barbera, ici, avec La vie enfouie de Martha. J'adore la plume de l'auteur, j'adore ses histoires, elle nous parle d'amour à chaque fois, elle nous parle de romance, elle nous parle de comment aimer, qu'on est capable de tout surmonter par amour et pour l'amour. C'est une jeune femme qui perd la mémoire et qui se réveille quelque part, perdue. On retrouve son identité et on la ramène à sa vie, sauf qu'elle ne se rappelle de rien. Elle est mariée, elle a deux enfants, elle ne se souvient de rien. À partir de là, elle essaye de remonter le temps et de remonter le fil de son esprit et de retrouver sa mémoire. Au fil du récit, nous aussi, on apprend à connaître Martha, à savoir ce qui lui est arrivé. Et Angélique Barbera, c'est une auteure que j'aime beaucoup, énormément. J'ai eu un énorme coup de cœur avec L'instant précis où les destins s'entremêlent, qui était une magnifique histoire émouvante. J'ai beaucoup aimé Bertrand et Lola et la suite de Bertrand et Lola. J'attends avec impatience la suite, il devrait y avoir un troisième opus pour ces deux personnages. Et en attendant, j'ai adoré La vie de Martha, qui était vraiment excellent. J'ai adoré ce roman et il m'a ému et il m'a fait croire en l'amour et en l'amour splendide et magnifique. Elle a vraiment une plume pour ça sublime. J'ai hâte qu'elle écrive encore d'autres romans et je serai fidèle au rendez-vous. Et celui-là, je lui ai mis un 18 sur 20. Plus récemment, j'ai lu La magie des Magpies, c'est la saga des Magpies
par K.J. Charles. C'était la découverte de cet auteur également en 2017. J'ai lu Le Quart des Secrets de Simon Facsimile, que j'avais adoré également. C'est une auteure qui va rentrer dans le top de mes auteurs. Elle écrit de la romance homosexuelle M.M. Sous fond historique. Et j'ai beaucoup aimé. On est en Angleterre victorienne et j'ai adoré. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 1, Le Charme des Magpies. Et ce tome 2. J'adore les personnages principaux de Lucien et Stéphane. Je gobe ces récits avec plaisir et envie. Tout est réuni, il y a même un univers fantastique derrière, puisqu'il est. L'un d'eux est une sorte d'exorciste, de chasseur d'êtres surnaturels, de fantômes, d'êtres fantastiques. Et j'aime beaucoup ce côté magique, ce côté historique et les deux personnages principaux avec la romance. J'adore. Vraiment, c'est une super découverte en 2017. Donc je lui mets un 18 sur 20. J'ai lu. Alors là, c'est le troisième opus. Pareil, une saga découverte en 2017 que j'adore et j'ai hâte d'avoir la suite. Les Hades Hankman, j'aime beaucoup cet univers de bikers et de sectes. Un super mélange et en plus il y a de l'action, de la romance, de la violence. Il y a des scènes assez dures quand même, c'est assez hard. Ce tome 3 est mon préféré, il était sur Flamme et j'ai hâte de lire la suite puisque mon personnage favori c'est Ryder et j'ai hâte d'avoir son tome dans le tome 4. Ah, vivement. Donc c'est une super saga, une super découverte avec l'univers, la façon d'écrire de l'auteur. J'aime beaucoup, c'est un bel univers. J'ai eu quelques bémols avec cette saga-là, mais elle reste quand même dans les super découvertes de 2017 et j'ai hâte d'avoir la suite. Je lui mets un 17 sur 20. Super découverte de 2017, j'ai adoré. Et c'est Heartless, le tome 1 de Kerr Dequay. Ici on est dans de la dark romance et je dirais plutôt dans le thriller psychologique romance. J'ai adoré, c'était une super lecture, une super découverte de Blake et Ryan, deux personnages torturés et malsains. C'est une super lecture, j'ai adoré le tome 2 et j'ai lu récemment, avant la fin de l'année, je me suis fait le petit bonus du tome 2 et demi qui clôture la saga et j'ai adoré. Enfin, j'aime beaucoup. Ryan est un être très torturé et très malsain et très violent et j'aime beaucoup. C'était une des belles découvertes de 2017. Ça reste un bon thriller. Policier, romance, c'est vraiment super sympa, une magnifique découverte. J'aime beaucoup cette saga, donc je lui mets pareil, c'était une belle découverte, c'est une 18 sur 20. Ensuite, belle découverte du début d'année 2017, c'est Les Mots d'Éden de Céline Etcheverry. Ici, on est dans de la romance homosexuelle M.M. J'ai adoré ce roman, c'est une intégrale, il y a deux tomes, j'ai adoré. Les deux personnages principaux sont très émouvants, une romance très belle. En deux actes, une première partie, ils sont au lycée et ils se rencontrent et une romance naît. Et après on fait un bond temporel, on les retrouve plus tard chacun dans une vie et on essaie de nous raconter ce qui se passe dans leur vie actuellement après ces années qui sont passées. J'ai adoré ce récit-là qui m'a fait beaucoup penser à Mathias de Lily M. Beaucoup de ressemblances dans ces deux lectures. J'ai lu Lily Aime un peu plus tard dans l'année. Deux belles romances, les larmes aux yeux. C'est vraiment une belle découverte. Conseil même dans la même veine, donc Mathias de Lily Aime, que j'ai pas mis dans mon top, mais qui est pareil, une très belle romance. Je n'en ai pas encore parlé en vidéo, mais ce roman-là, je vous le conseille, il est très beau, très bien écrit. L'auteur a une belle plume. C'est une belle romance entre ces deux hommes. Là, je crois que je lui avais mis 18 sur 20. Énorme coup de cœur, vous l'avez vu passer dans mes derniers updates. Je vous parle de Un bout de cannelle et d'espoir. Sarah McCoy, la découverte de cet auteur en 2017, qui va devenir une de mes auteurs chouchous. J'ai lu Un souffle de feuilles et de promesses, que j'ai beaucoup aimé. Et celui-là, par contre, est un énorme coup de cœur. C'est le coup de cœur de l'année 2017. C'est un énorme coup de cœur pour ce roman-là. On est en Allemagne en 44 et on suit Elsa, une fille de 17 ans, qui vit avec ses parents dans une boulangerie. Et on apprend à vivre avec eux. Donc c'est pareil, c'est très compliqué pour eux de vivre, de manger à sa faim. Il y a beaucoup de restrictions, les Allemands les soldats sont pas toujours sympas, même avec leurs compatriotes. On est en plus en 44, donc c'est là où l'Allemagne déchante un petit peu du règne d'Hitler. Elsie essaye de se battre au maximum pour que sa famille et les gens qu'elle aime survivent au maximum. C'est une personne très courageuse. Et vraiment, c'est des passages assez difficiles, ça m'a tiré les larmes, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un roman que je conseille fortement, Un goût de cannelle et d'espoir, 20 sur 20. Je l'ai adoré. Je vous parle avec la suite de Captive in the Dark, avec Seduce in the Dark que j'ai lu au fin décembre 2017. J'ai adoré cette suite de Caleb et Olivia. J'ai beaucoup aimé. Bon, il y a des moments très très durs. Le tome 2 est encore plus sombre et plus noir et plus violent que le tome 1. Âme sensible, s'abstenir. Belle immersion, assez difficile par moment de le lire, mais belle histoire. Beau récit, bien écrit, l'auteur l'amène très très bien. Mais par moments, j'avoue que oui, mon petit cœur, il a flanché un petit peu, et Caleb, par moments, m'a dégoûté.
ce qui se passe par moments est vraiment un peu fort en cacahuète. J'ai vraiment adoré ce roman-là, cette saga-là, Captive in the Dark avait été un énorme coup de cœur, et c'est juste moi, Mora, conquise, j'ai vraiment aimé. Mais je comprends qu'il ait moins été apprécié, parce que là, il est vraiment quand même beaucoup plus noir que le tome 1. Mais moi, ça l'a fait. Voilà, et je lirai l'épilogue sur Kalen. Celui-là, je lui ai mis 18 sur 20, je crois, ou 19 sur 20, j'ai vraiment adoré. L'énorme coup de cœur, ce sera le number one de l'année 2017. Vous l'avez déjà vu passer, puisque sur le dernier update lecture, vous l'avez vu. Et je vous parle de Kushiel, le tome 1. Jacqueline Carré, en fantasy, héroïne, elle est esclave sexuelle, elle est en maître. Elle est envoyée sur certaines missions par son maître. Et j'ai vraiment adoré beaucoup de complots politiques, des conflits entre terres, chacun veut tirer la corde à soi, et en plus il y a de l'action, il y a de la romance. Phèdre, notre héroïne, n'est pas épargnée, il lui arrive pas mal de choses pas très cool, mais l'auteur l'amène très bien, elle ne s'attelle pas sur les descriptions, et c'est vraiment la pépite de 2017. Il y en a toujours une dans l'année, et cette année c'est celle-là, je vous la conseille fortement. C'est Kushiel en fantasy, c'est une pépite. Ah ben c'est une sacrée bricasse. 900 pages, quoi. Donc bon. Mais je l'ai gobé. Je pensais mettre des lustres à le lire. Et pas du tout, une fois embarquée dans cette histoire, ben, j'ai pas pu le lâcher. Et Phèdre est vraiment un personnage magnifique. De la retrouver dans le tome 2 et de poursuivre, et j'espère dans pas trop longtemps, cette saga. Je vous le conseille fortement. C'était en 20 sur 20 pour Kushiel. Je l'ai lu en mars 2017, je crois. C'est Avif de Alexis Hall. Laurie a une quarantaine d'années et Toby est un jeune homme de 19-20 ans. Donc effectivement, ils sont à deux périodes de leur vie complètement différentes. Ils ne recherchent pas la même chose dans les relations et ils vont tomber fou amoureux l'un de l'autre. Mais rien n'est simple. Ça serait trop facile sinon. Et vraiment, j'ai adoré ce roman-là, qui n'a pas trop fait parler de lui. Mais moi qui m'a conquise, désolée pour la caméra, c'est mon chat qui s'amuse avec un petit truc par terre. Donc là, il se croit tout seul. J'ai adoré ce roman-là, je vous le conseille fortement si vous aimez le MM. Il n'a pas trop fait parler de lui et pourtant moi j'ai beaucoup aimé. Et je vous conseille Toby et Laurie et c'était top. Vraiment, deux personnages vraiment très attachants à des âges complètement différents et nous montrent que l'amour peut être à tout âge et même à des âges... avec beaucoup d'écart d'âge entre les deux personnages. Voilà, je lui mets 18 sur 20. Et le dernier, c'était le dernier de l'année 2017, le tout dernier que j'ai lu en MM, vous allez le voir passer dans mes updates, c'est The Book Friends Chronicles, le plan de secours de River James. J'ai adoré Dylan et Alec. On commence entre un gay et un hétéro. Alec est dans une sale période de sa vie, il s'est fait larguer comme une vieille chaussette, mais il est obligé de côtoyer encore son ex tous les jours puisqu'ils travaillent ensemble. Et Dylan, lui, est célibataire, il ne cherche pas une relation sérieuse, il change de fille comme de chemise, se connaissent mais sans plus, et là ils vont apprendre un peu plus à se connaître. Et difficile la relation entre un gay et un hétéro. C'est le tome 1 et je ne manquerai pas en 2018 de lire la suite. Le tome 2 et le tome 3 et le petit bonus où on retrouve justement Alec et Dylan, et ces deux personnages qui m'ont conquise. Je vous le conseille fortement. Celui-là, je lui mets un 19 sur 20 coup de cœur. C'est le dernier coup de cœur de l'année. Vous voyez, des coups de cœur, des énormes coups de cœur, j'en ai pas eu beaucoup. Et là, c'est un coup de cœur parce que c'était vraiment une super lecture. Il y a rien de révolutionnaire dans l'histoire, mais moi, ça l'a fait. Je l'ai adoré, je vous le conseille. Vous aviez 15 romans, je sais que ça fait un peu beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Je ne ferai pas les flops, je sais qu'une personne me l'a demandé sur ma chaîne. Il n'y en a pas eu énormément, je pense que je sélectionne plutôt bien mes lectures maintenant. Et c'est rare que je sois déçue. Il y en a eu quelques-unes, mais c'est largement gérable et du coup on les oublie. En 2017, j'ai lu 101 livres avec des mangas. Il y avait quelques mangas, il y avait 7 ou 8 mangas. Je suis ravie, j'ai lu largement plus que 2014, 2015 et 2016. Je suis joie cette année. J'espère que cette nouvelle année qui se profile sera la même. Et n'hésitez pas à venir discuter avec moi. En attendant, je vous laisse ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!